casse mon nouveau t-shirt, je peux pas, j'ai muscu. DM les gens, j'espère que vous allez bien, Steven Chum, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, genre, vous êtes des centaines, des milliers, des millions, des milliards, toute la Terre à me poser des questions sur mes t-shirts. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Car oui, quand on est énorme et sec comme vous, il est important de bien s'habiller pour bien mettre en valeur sa petite veine. Bonne nuit, mon cœur. Elle le mérite, con. Oh, comme vous le savez, j'ai créé ma marque il y a 2 ans et je vais vous expliquer toutes les étapes par lesquelles il faut passer si vous aussi vous voulez créer la vôtre. Alors pensez à mettre un pouce bleu énorme en bas de la vidéo et surtout n'oubliez pas, à chaque pouce bleu que vous allez mettre, vous sauvez une petite qui squatte. C'est parti! Première étape, la base de la base. Vous devez avoir une idée unique de ce que vous allez mettre sur votre t-shirt. Parfait. Ça doit être quelque chose qui vous ressemble, qui vous correspond, que personne d'autre n'a et qui vient du plus profond de vos tripes. Ça peut être une phrase, un dessin ou même un logo. Deuxième étape, vous devez trouver un fournisseur. Et là, 2 options s'offrent à vous. Damn biceps. Soit vous faites faire votre t-shirt à l'étranger et du coup le prix d'achat est beaucoup moins cher, ce qui signifie bien sûr que votre coût de revient aussi. Donc faire une plus-value de 50% sur votre prix de vente est un meilleur résultat, est envisageable, à condition bien sûr qu'au préalable une convention fiscale bilatérale a été signée avec la France. Non, je dis de la merde, ça veut rien dire. Tout vous dire les gens, quand j'étais au lycée j'ai passé un bac ES. Oui, un bac énorme et sec. Ou soit, vous faites faire vos t-shirts en France. Et personnellement, par principe, j'ai choisi la France car je préfère vraiment mettre l'accent sur la qualité. Et... allô? Excusez-moi. De quoi le bateau est encore en Chine? Vous foutez de ma gueule? C'était maman in shape. Vous êtes tous invités à manger demain midi. Oui, ce sera Reed End. Ensuite, vous devez choisir votre modèle. Ça peut être un t-shirt col V pour bien voir le début de vos pecs. Si à 50 ans vous n'avez pas rempli la manche de vos t-shirts avec vos biceps, vous avez raté votre vie. Un débardeur pour bien voir vos fibres musculaires se déchirer pendant l'entraînement. Et voilà, je vous remercie, une bonne journée. Ou tout simplement un t-shirt basique si vous en avez marre qu'on voit à chaque fois vos tétons quand vous êtes en débardeur. Oh oh, alerte téton. D'ailleurs, en parlant de débardeur, ne le prenez pas trop grand, sinon les gens vous prendront pour Dobby dans la rue. Ok, maintenant que vous savez ce que vous voulez, on passe à la sérigraphie. Sérigraphie. Du latin sericus. Sus. Pardon. Du latin sericus, la soie. Et un procédé d'impression à travers un écran. En gros, c'est une machine magique qui imprime votre logo. Ok, c'est bon, vos t-shirts sont prêts, c'est bien. Mais si vous voulez vous payer l'abonnement à la salle du muscu et manger votre Ridan à midi, va falloir les vendre. Vous allez donc devoir faire du placement de produit. Non, pas du placement de produit. Non, non. Et là, qu'est-ce que c'est, quoi? Un placement, c'est faire de la pub pour un produit dans le but qu'un maximum de personnes le voient, tout en faisant attention à ce qu'un minimum de personnes vous prennent pour un vendu qui pense qu'au fric. Ce qui bien sûr est faux, car comme vous le savez, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout, matérialiste. Oh, un billet de 500. Rendez les veines aux abonnés. Vous devrez donc porter vos t-shirts en vidéo. Mais attention, surtout n'en faites pas trop. Le mieux est de rester le plus discret possible. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Steven Chum, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, mon nouveau t-shirt sur mon site internet stevenchum.com, 5% réduction en description. Achetez, achetez, achetez. Bon, et si vous trouvez cette façon de faire un petit peu trop extrême, vous pouvez toujours laisser vos abonnés faire des placements de produits à votre place. Comme dans le dernier clip d'Orelsan, on voit un magnifique t-shirt énorme et sec. Plus tu seras honnête, plus on dira que tu simules. Prends du recul, comment t'as fait pour devenir aussi nul? Cet abonné m'a vendu du rêve, alors si vous le connaissez, faites-lui un bisou sur le pec de ma part. Après, si vous voulez continuer à développer votre entreprise, vous pouvez embaucher des employés. D'ailleurs, venez avec moi, je vais vous faire visiter l'endroit où nos salariés travaillent. C'est donc ici qu'ils se travaillent. On passe à la suite. Et toi au boulot, t'es pas payé pour jouer à Pokémon Go. Et voilà, maintenant que votre t-shirt est connu, vous n'avez plus qu'à le mettre en ventre. En ventre, et eh oui, en ventre. Vous n'avez plus qu'à le mettre en vente sur votre site e-commerce et à le livrer à un abonné. Et voilà les gens, je voulais encore remercier chacun de vous de regarder mes vidéos. Jamais je n'aurais imaginé il y a 2 ans qu'on puisse créer une marque ensemble. Et oui, je dis ensemble parce que sans vous, il n'y aurait pas grand chose. Et si vous aussi vous avez des rêves, et pas seulement physiques mais aussi professionnels, croyez en vous. Car si vous n'y croyez même pas vous-même, personne ne croira à votre place. Ayez des objectifs, ne dites rien à personne, explosez-les et soyez fiers de vous. Merci encore d'être là et sachez que si vous mettez des pouces bleus ou que vous n'en mettiez pas, je vous aime tout autant. Bon, même si j'aime un petit peu plus ceux qui mettent des pouces bleus. Non, sans déconner les gens, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, je les lis tous. Passez une bonne journée ou une bonne nuit énorme et mouillée si vous êtes avec une petite. Et surtout, n'oubliez pas que vos...
vous êtes les meilleurs. Boum, scandaleux. C'est parti. La technique, William. Salut les gens, c'est Julien InShape. Applaudissements. Il a dit sa gueule. Magnifique.